Plus d'un an après le dépôt de la plainte, Donald Brashear était de retour au palais de justice. En cette première journée de procès, plusieurs témoins ont été appelés à la barre. C'est le cas de celui qui se dit victime dans toute cette histoire. Éric Labelle est venu raconter le fil des événements. Le tout s'est déroulé après la rencontre du 24 mars dans le stationnement situé à l'arrière du centre Premier Tech. À bord de son véhicule, Donald Brashear serait arrivé relativement vite à sa hauteur. Assez vite pour que la victime n'ait pas le temps de se tasser. C'est alors que l'agresseur serait sorti de son véhicule pour lui asséner un coup de poing au visage qui l'aurait mis KO, en plus de lui causer une commotion cérébrale. Parmi les autres témoins, le chauffeur d'autobus du Caron Aiguë a raconté avoir vu le véhicule de l'accusé s'approcher de l'autocar, mais très lentement. Gaby Rock, coéquipier d'Éric Labelle, et l'ancien directeur général de Trois-Rivières, Dean Légis Lacoste, se sont également présentés à la barre. Pour sa part, l'avocat de la défense a fait témoigner un des passagers de la voiture de Donald Brashear. Jérôme Marois a raconté qu'Éric Labelle et Gaby Rock ont plutôt bloqué le passage, en plus de frapper sur le véhicule afin d'intimider son coéquipier. Les procédures se poursuivront jeudi, alors que la défense fera entendre d'autres coéquipiers de Donald Brashear. Maître Jean-François Bertrand pourrait même appeler son client à témoigner. Pierre-Gabriel Turgeon à Rivière-du-Loup.